première vue, à chaque fois qu'on se trouve dans une prairie et qu'on regarde, on a l'impression que tout est bien vert. Alors une fois qu'on se penche un petit peu plus près du sol, on peut se rendre compte qu'après scarification ou après un passage, avoir écarté un petit peu l'herbe, on se rend compte qu'il y a vraiment des vides à combler. Et c'est là qu'est l'utilité du scarificateur. Une taille de main au sol pourrait correspondre à plus ou moins 10% de surface sur un mètre carré. Donc on pourrait facilement calculer que sur 100 hectares, si on a 10% qui sont manquants, ça fait 10 hectares en moins qui ne sont pas productifs. Et donc ce Green Master permet donc de compenser cette perte de productivité et de nous rendre compte d'avoir un fourrage de meilleure qualité. Donc on peut constater que pour un semis en ligne, on se rend compte qu'il y a des vides entre chaque semence tombée. On se rend compte aussi qu'elles sont toutes un petit peu l'une sur l'autre, ce qui fait qu'elles sont en concurrence. C'est la première qui va commencer à germer et pousser, qui va prendre la place. Et les semences qu'on a mises sur le côté, finalement, ne vont pas être très utiles. Donc finalement, on se rend compte qu'on a une bonne perte de semences sur ce système. Le temps nécessaire à la semence pour recouvrir tout cet espace qui est manquant va être assez long. Et pendant ce temps-là, la mauvaise herbe va d'office pousser dans cette zone-là. Donc à la différence d'un semis en ligne, ici c'est un semis à la volée. On se rend compte qu'on a éparpillé des graines sur toute la surface. On peut donc constater aussi qu'elles sont moins en concurrence l'une avec l'autre. Et tous ces vides vont donc être comblés. On aura donc une couverture de sol beaucoup plus rapide et beaucoup plus propre, et les mauvaises herbes n'auront donc pas le temps de s'implanter.